nous allons beaucoup appuyer sur toi. Créer un monde meilleur pour tous ceux qui y vivent, c'est la mission que s'est assignée l'espace culturel Windikpe à travers le lancement des activités de son centre artisanal de formation et de distribution des biens et services de mode. Intervenant dans le cadre de la mise en œuvre du projet conservatoire du patrimoine culturel textile et vestimentaire béninois, ce projet mis en œuvre avec la contribution financière de l'Union européenne et le support du secrétariat de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique à travers le programme AWA vise la mise en place d'un musée des arts vestimentaires, d'une représentativité nationale, mais aussi... Cette initiative nous permettra à terme d'initier des écoliers, des élèves et des étudiants béninois dans les arts textiles que sont... le tissage, la fabrication d'accessoires de mode et la couture. Ce programme est un terreau pour vous. Au-delà de savoir coudre, au-delà de savoir créer, nous allons vous donner l'artistique, ce qui vous permet de vous différencier des autres. Pour cette vague, 30 bénéficiaires répartis en trois catégories que sont la couture, le tissage et les accessoires de mode auront la chance de profiter sans frais à charge de ce projet. Sincèrement, je vous envie. Pour être là où je suis, je sais l'énergie que j'ai déployée, je sais le financement, l'énergie en matière de financement que j'ai eu à faire pour être là où j'en suis. Mais vous, l'opportunité vous est donnée gratuitement. Chers amis, je vous en prie, des opportunités dans la vie n'arrive pas deux fois, trois fois. La première fois, si on ne la saisit pas, et quand elle part pour de bon. Nous voulons former des stylistes pleins. Au thème des trois mois de formation, bien d'opportunités seront à la portée de cette cohorte. Ce qu'on a commencé aujourd'hui, ceux qui vont être les plus innovants, les plus performants, vont intégrer l'écurie Windikpe. Il y en aura parmi vous qui auront eu la chance d'être initiés ici, qui réaliseront leur collection ou leur création, qui seront présentées sur la 10e édition donc, du Festival de mode identitaire Kobro Fashion Days en décembre prochain. C'est le lieu pour moi de dire merci à nos partenaires, notamment l'Union européenne, le programme AWA, l'Organisation des États de l'Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui, avec leur contribution financière, nous permettent de mettre en place et de mettre en place, comme cela se doit, ce programme. Prévu pour une durée de 3 mois, ces cours d'initiation prendront fin en novembre prochain.